raison de l'échéance de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, le Burkina Faso a enregistré des avancées significatives dans plusieurs domaines. Et à l'occasion de la commémoration de la 67e journée des Nations Unies, il a été rappelé la nécessité de redoubler d'efforts en matière de résistance des populations et des institutions en période de crise. Et à l'orée de la campagne électorale au Burkina, des journalistes et des jeunes sont en formation, les uns pour se conformer aux exigences du Conseil supérieur de la communication et les autres pour apporter un regard novateur et responsable dans la vie de la cité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette première session d'information sur la télévision du Burkina. Et nous ouvrons cette édition avec le carnet d'audience du chef du gouvernement qui a reçu deux délégations hier à la primature. L'Ordre de Malte est venu faire au Premier ministre le point de ses actions au Burkina dans le domaine sanitaire. Ensuite, Luc-Adolphe Thiaw s'est entretenu avec des experts géomètres sur des questions d'habitat et de construction. Le point de ces audiences avec Adama Koulibaly. L'ordre de Malte est un ordre religieux et militaire créé vers l'an 1100 pour défendre les pèlerins de Terre Sainte. La délégation de cet ordre reçue par le Premier ministre est venue parler de ses réalisations au Burkina Faso, car l'ordre de Malte a de nos jours une fonction essentiellement charitable. Nous voulions tenir informé le Premier ministre des évolutions de nos actions ici, dans ce pays, et plus particulièrement de l'inauguration qui aura lieu demain de l'extension d'un dispensaire qui existe déjà depuis 2004, mais qui a connu un grand succès, avec une grande fréquentation, 24 heures sur 24, 361 jours par an, ce qui nous a amené à en augmenter la capacité. La Fédération des géomètres francophones a échangé avec le chef du gouvernement autour du métier de géomètre peu connu, mais qui tient une place importante dans le secteur de l'habitat. Alors nous avons eu le grand honneur d'être reçus par le Premier ministre effectivement du Burkina Faso, ce qui nous a extrêmement fait plaisir. Nous avons parlé de la profession des géomètres. Je représente la Fédération des géomètres francophones qui regroupe 26 pays, dont bien entendu beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Et un des rôles de la Fédération des géomètres francophones, c'est d'aider à l'organisation de la profession et d'aider à la formation de la profession. Le géomètre en Afrique et ailleurs est un des acteurs majeurs du foncier, hein, du développement, que ce soit le développement rural, que ce soit le développement urbain. La définition des limites de propriété est également dans ses attributions. Il a donc un rôle très très important. Depuis 1945, date d'entrée en vigueur de la charte de l'Organisation des Nations Unies, la journée du 24 octobre est consacrée dans le monde à celle de l'organisation onusienne. Le Burkina Faso a placé la 67e journée qui s'est tenue hier sous le signe de la résilience des populations et des institutions aux différents chocs et crises. Retour sur la commémoration sur le plan national avec Safiatou Tamboula. Le 24 octobre de chaque année est célébrée la journée de l'ONU. Elle se veut une occasion renouvelée pour manifester l'adhésion des populations et des peuples du monde aux idéaux et valeurs qu'incarne l'organisation. C'est également le moment de faire le point sur l'état du monde. La célébration donne aussi l'opportunité de faire le plaidoyer et de tirer la sonnette d'alarme sur les défis qui mettent à rude épreuve les idéaux chers à l'organisation. Au Burkina Faso, la journée est placée sous le thème « Renforcer la résilience des populations et des institutions face aux chocs et crises ». Nous constatons que de plus en plus, à cause des changements climatiques notamment, il y a de plus en plus de chocs au point de vue des catastrophes naturelles. Au Burkina Faso, c'est surtout les questions relatives aux inondations. C'est pour que l'ensemble des institutions, au niveau central comme au niveau décentralisé, soit outillé pour pouvoir faire face. Pour le gouvernement du Burkina Faso, la commémoration de la journée se veut une occasion de magnifier les valeurs de la coopération internationale entre les peuples et aussi de réaffirmer son adhésion et sa foi aux idéaux et objectifs des Nations Unies. La journée des Nations Unies est en effet un cadre idéal permettant aux États membres de réaffirmer leur engagement vis-à-vis de l'organisation et à celle-ci de réaffirmer ses engagements à l'égard des États membres pour l'avènement d'un monde meilleur. À l'occasion de la cérémonie de célébration de la 67e journée de l'ONU,
le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burkina, a livré le message du secrétaire général de l'ONU. Dans ce message, Ban Ki-moon exhorte la communauté mondiale à ne pas faiblir face à l'adversité. Pour lui, le moment est venu de revoir les ambitions à la hausse. Pour cela, un programme réaliste et ambitieux doit être établi. Vers l'adoption d'une politique et d'une loi nationale en matière de développement durable, le ministère en charge de la question s'y attelle. Un atelier s'est ouvert à Ouagadougou pour la validation de ces documents et les participants sont appelés à porter un regard critique sur le fond, mais aussi la forme de ces référentiels. Pélagie Bempanomé et Sawadogo. Ce sont ces deux documents qui seront examinés et validés au cours de cet atelier. Il s'agit d'un avant-projet de loi et d'un avant-projet de politique nationale en matière de développement durable que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a élaboré pour répondre à la recommandation formulée lors des États généraux tenus en novembre dernier. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la mise en œuvre de la SCAD, c'est-à-dire la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, dans le contexte du PAGED, le programme d'action gouvernementale pour l'émergence et le développement durable, dans le contexte de l'après-Rio, et nous pensons qu'il était utile, vraiment utile pour nous, de définir une politique nationale de développement durable. Une politique nationale de développement durable qui doit être, et j'allais dire, le phare, la lumière qui oriente donc la marche du Burkina vers l'institutionnalisation des questions environnementales. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ces ouvrages revêtent une importance nationale, surtout dans le contexte actuel de la décentralisation. Pour agir dans le contexte naturellement de la démocratie et du transfert de compétences totales ou partielles vers les communautés à la base, c'est-à-dire les collectivités locales, il faut un cadre politique. Il faut, une légitimité et une légalité, sans lesquelles toutes les actions qu'on pose seront vaines. La validation de la loi et de la politique nationale de développement durable devrait permettre d'améliorer la compréhension commune du concept et du processus de développement durable et de favoriser une meilleure coordination et intégration des politiques sectorielles. Elle permettra également de mettre en place des organes capables de rendre compte des progrès accomplis en matière de développement durable. C'est pourquoi les participants devront formuler des propositions pertinentes pour l'adoption des 10 documents. Le département de l'économie et des finances également se pose pour porter un regard critique sur la revue à mi-parcours de sa politique sectorielle. Et pour ce faire, bailleurs de fonds et acteurs du monde des finances travaillent ensemble pour promouvoir davantage une économie burkinabé plus moderne et plus compétitive. Abdoul Rassmane Zongo, reportage. L'ambition affichée de cette rencontre partenariale entre acteurs de l'économie et des finances et partenaires techniques et financiers est de dégager les voies et moyens pour davantage assainir et booster la gestion des finances publiques. Il s'agit concrètement de la revue à mi-chemin de la politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances, POSEF. Cette politique sectorielle a été adoptée en 2011 en vue de promouvoir une économie burkinabé plus moderne et compétitive. Lorsqu'on a une politique sectorielle qui a un plan d'action, il faut que périodiquement vous fassiez le point, voir où est-ce que vous vous situez dans la mise en œuvre des actions que vous avez prévues. Nous avons pris l'habitude de faire cela. Nous allons ouvrir notre première session pour voir ce que nous avons pu. Bien évidemment, nous-mêmes, les partenaires, nous devons rendre des comptes à nos propres autorités, mais aussi aux citoyens des pays ou des structures que nous représentons. Donc il est extrêmement important que nous disposions ensemble des informations sur les mesures de mise en œuvre et puis naturellement sur le programme d'activité des autorités que les partenaires sont disposés à accompagner et à continuer à accompagner comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Merci. Les conclusions et recommandations qui sortiront de cette session contribueront à consolider la gouvernance économique et financière dans notre pays.
Les professionnels des médias, eux, se sont réunis sous l'égide du Conseil supérieur de la communication autour des questions de collecte et de traitement de l'information en période préélectorale et électorale. À quelques semaines du lancement officiel de la campagne pour les élections couplées de décembre prochain, l'institution a prévu 4 communications relatives à la thématique des élections qui nous sont présentées par Adama Koulibaly. À quelques 3 semaines de l'ouverture officielle de la campagne pour les échéances électorales couplées municipales et législatives du 2 décembre prochain, le CSC, Conseil supérieur de la communication, a initié cet atelier national de réflexion des professionnels des médias pour une couverture médiatique adéquate. Cette rencontre s'inscrit dans la logique d'une circulaire du CSC portant sur la couverture de la période préélectorale, comprenant entre autres 7 recommandations. Cette recommandation concerne les comportements à avoir aussi bien au niveau des hommes et femmes des partis politiques qu'au niveau des médias pendant également la campagne électorale. C'est-à-dire éviter certains propos, les diffamations, les injures, tout ce qui peut troubler l'ordre public ou casser la cohésion nationale. Cela peut venir des partis politiques ou regroupements de partis politiques, mais cela peut aussi venir des médias, parce que les médias, bien sûr, vont couvrir les activités des partis politiques, mais les médias aussi ont la latitude de commenter ce qui se passe. Donc nous voudrions encore plus de vigilance que d'habitude pour éviter ce que nous avons pu voir sous d'autres cieux. 4 communications relatives aux enjeux de l'information, la régulation de la pré-campagne ou encore le pluralisme et l'équilibre de l'information dans les médias publics en période électorale sont au programme. Et toujours à l'orée de ces élections couplées, le National Democratic Institute a initié un colloque national au profit de la jeunesse issue des partis politiques et de la société civile. Ce programme spécial jeunes vise la promotion et la participation citoyenne de cette frange de la population. Kadis Anogo pour les précisions. Ce sont 200 jeunes de 12 partis politiques et des organisations de la société civile burkinabé qui prennent part à ce colloque national. Une rencontre qui entre dans le cadre du nouveau programme initié par les NDA sur les opportunités pour l'engagement politique et pacifique des jeunes. Il s'agit d'un programme de la promotion de la participation citoyenne des jeunes. Évidemment, les élections constituent toujours une bonne porte d'entrée quand il s'agit d'engagement citoyen. Et ils sont de différents partis, ils sont de différentes organisations, ils viennent de différentes localités du Burkina pour réfléchir ensemble sur leurs préoccupations, leurs besoins, leurs attentes par rapport aux acteurs politiques, par rapport aux politiques qui sont menées, la décentralisation, la gouvernance locale, les politiques d'emploi, mais aussi les activités des partis politiques. Cadre de réflexion sur les priorités et les principales préoccupations des jeunes dans le processus démocratique, ce colloque permettra à l'Agence américaine de développement international USAID de partager avec les participants l'expérience américaine à la matière. Nous avons eu le privilège en tant que gouvernement des États-Unis, par le biais de l'USAID, de soutenir cette initiative de NDI, d'organiser ces colloques, surtout pour les jeunes et pour les jeunes, pour que les jeunes s'engagent de façon constructive et positive la chose politique au Burkina Faso. Au terme de 2 jours d'échange, les jeunes qui occupent une place importante dans le processus démocratique en cours au Burkina seront à même de développer des initiatives pour se valoriser au sein de leurs structures et organisations respectives. Et puis, le Conseil supérieur de la communication a procédé à la signature de conventions pour le renouvellement des autorisations d'exploitation de fréquences de 28 organes de presse audiovisuelle. La durée de ce contrat entre l'État, représenté par le CSC et les promoteurs de stations, est fixée à 5 ans. Nicolas Zigani. Les 28 promoteurs de radiodiffusion, à travers cette signature de convention d'autorisation d'exploitation de fréquences, se mettent en conformité avec les dispositions légales. Le respect de ces dispositions légales et réglementaires doit être renouvelé tous les 5 ans. Nous attendons à ce que, avec les expériences que ces radios ou ces télévisions ont déjà eues par le passé, qu'elles puissent être encore plus performantes et répondre encore plus aux attentes du Conseil supérieur de la communication. En matière de respect des principes
et les obligations. Donc c'est ainsi que nous avons de nouveau scellé en quelque sorte un pacte. Ce fut l'occasion pour les promoteurs de radiodiffusion d'exprimer certaines préoccupations liées à la formation et aux exonérations ou réductions des taxes. Par rapport aux charges fiscales, évidemment, les médias sont des services publics et donc de ce point de vue, on pense que des efforts peuvent être encore consentis, même si certains ont été faits. Il y a également les frais de redevance qui sont encore élevés, même si des efforts ont été faits en 2010. La présidente du Conseil supérieur de la communication a encouragé ses promoteurs à toujours persévérer dans cette dynamique de confiance avec son institution. Elle a ensuite rassuré ces derniers à poursuivre le plaidoyer pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Et justement, la radio est un canal utilisé pour éduquer les populations par le divertissement. C'est le pari qui est en passe d'être réussi par l'ONG Population Media Center avec des comédiens burkinabés. À travers un feuilleton radiophonique de 156 épisodes, l'ONG éduque, informe et communique sur des thèmes différents. Le lancement officiel des activités s'est déroulé en présence de Jacques Lamissa Tarpaga, dont voici le compte-rendu. Ces feuilletons radiophoniques sont conçus dans une approche basée sur la théorie de la communication pour le changement de comportement. 156 épisodes ont été mis en boîte et seront diffusés par 22 radios à travers le pays. L'objectif des programmes réalisés en Morée et en Dioula est d'apporter de nouveaux comportements en matière de santé de la reproduction, des fistules obstétricales, du VIH à SIDA et de l'éducation des filles, entre autres. Une initiative saluée par le ministre de la Communication. La communication est ce vecteur qui permet de partir d'une pensée, d'une réflexion, d'une politique pour en faire un développement, pour en faire une réussite, pour en faire une culture sociale de manière globale. Je voudrais féliciter Population Media Center de pouvoir nous offrir un peu cette alchimie qui nous permet fondamentalement dans le secteur de la santé, qui est un secteur très sensible dans les perspectives de développement de notre pays. Ce projet de l'ONG Population Media Center, lancé ce mardi à Ouagadougou, est soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Pendant les 3 années que dure le projet, il s'agira de travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Le plan stratégique couvrant la période 2013 à 2016 du Réseau national de la lutte anticorruption a été examiné et adopté au cours d'une assemblée générale. Le RENLAC entend avoir un meilleur positionnement pour mener à bien sa lutte. L'état de la corruption au Burkina en 2011 a toutefois été présenté à la presse, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux institutions concernées par la question. Claudine Bikaba. L'examen et l'adoption du plan stratégique 2013-2016 du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC a été au centre de sa première assemblée générale extraordinaire 2012. Ce troisième plan stratégique a pour objectif général de contribuer à faire reculer significativement la corruption dans la société burkinabé. Alors, il s'articule autour de 4 axes, comme le précédent, mais avec des nuances très importantes. Le premier axe porte sur le renforcement de l'efficacité du réseau. Hein? Avant de pouvoir lutter, il faut qu'on soit suffisamment solide. Donc c'est ce que cet axe se propose de réaliser. Deuxièmement, le deuxième axe, c'est le renforcement de l'éveil et de la conscience pour le refus et la condamnation citoyenne de la corruption. Le troisième porte essentiellement sur le renforcement de la lutte anticorruption dans les administrations publiques et parapubliques. Et le troisième axe se propose devrait à faire reculer l'impunité dans les actes de corruption au Burkina Faso. Selon les études menées par le RENLAC, le rapport sur l'état de la corruption au Burkina a connu une évolution. Quand nous regardons de plus près, nous constatons que par rapport à 2007 jusqu'à maintenant, ce nombre s'est accru, ceux qui pensent que la corruption régresse, s'est accru de 41%. Donc il y a quand même une certaine évolution au profit de ceux qui pensent que ça bouge dans le sens d'une régression.
Le rapport 2011 sur l'état de la corruption au Burkina indexe la douane comme institution la plus corrompue. La police municipale vient après la douane, la justice en troisième position, les enseignements secondaires et supérieurs en quatrième et la santé est classée cinquième. Et pour clôturer l'âge du Rhin-Lac, le document soumis à évaluation au cours de cette rencontre a été remis à quelques institutions ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers. Direction Gawa dans le sud-ouest, à présent où le verdict du procès de l'affaire dite Tonkar est connu. Sur les 34 prévenus, 4 ont été relaxés et les 30 autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 6 mois avec sursis à 2 ans ferme. Ouvert le 28 septembre dernier, c'est le mardi 23 octobre dernier que le procès a connu ce dénouement. Le point avec Christophe Da. Le verdict du procès en correctionnel de l'affaire dite de Tonkar est tombé ce mardi 23 octobre. Les 34 prévenus ont été appelés à la barre et le tribunal de Gawa, par la voix de son président Sanga Wahudu, a prononcé 4 relax pour bénéfice du doute et pour infraction non constituée. Les 30 autres prévenus ont été reconnus coupables de participation à une manifestation illicite et d'actes de vandalisme. 6 d'entre eux, des élèves et des personnes âgées, sont condamnés à 6 mois de prison assortis de sursis. Les 24 autres prévenus ont écopé de peines allant de 6 à 24 mois de prison ferme. Parmi ces derniers, l'ex-maire de la commune de Gawa, Da Frédéric Farahiri, condamné à 12 mois ferme d'emprisonnement et une amende ferme de 200 000 francs CFA. Ces 24 coupables sont également condamnés à payer solidairement une amende d'un peu plus de 9,5 millions de francs CFA au profit de 11 victimes. Par ailleurs, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Gawa assure que la justice ne va pas en rester là avec cette affaire, car au moins 9 des condamnés seront poursuivis pour infraction criminelle et certains suspects dans cette affaire sont encore en cavale. Le tribunal de Gawa a la charge d'instruire le dossier et de le communiquer à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bobo Dioulasso, dont relève le tribunal de Gawa. Et le verdict rendu cette fois par Dame Nature dans la plaine rizicole de Windingen de Wendigi a rendu joyeuse la centaine de producteurs qui y travaillent. Et pour cause, ils avaient prévu un rendement de 4 tonnes de riz à l'hectare. Mais au final, les prévisions sont au-delà de ces attentes. Et les producteurs des 127 hectares de la plaine étaient en pleine activité lorsque nos reporters sont allés faire le constat. Mathias Drabo, Abdel Aziz Yagibou. Coup de faucille par-ci, vrombissement de batteuse par-là, un travail à la chaîne qui mobilise techniciens de suivi et exploitants du bas-fond rizicole de Windigi. L'heure est à la récolte dans cette rizière de plus de 127 hectares. Après 3 mois environ de gestation, suivi de bons soins et arrosé d'une bonne pluviométrie, les premiers résultats sont très satisfaisants. On avait prévu en fait des rendements de 4 tonnes à l'hectare. Mais il faut dire que ce matin, déjà, ce qu'on a vu, ça tourne autour donc de 5-6 tonnes. Il y a des parcelles où c'est 5 et quelques, il y a des parcelles où c'est 6 et quelques tonnes. Et l'âge Salam Niampa, qui partage avec 3 membres de sa famille, 4 parcelles de 900 mètres carrés chacune, n'a plus d'inquiétude pour la quinzaine de bouches qu'il a à nourrir. Les riz, c'est vraiment bon, ça donne bien. Mais suffisamment... C'est que les techniciens qui sont à côté avec nous, là, comme les encadreurs, de quoi là. Parce qu'ils nous parlaient des chemins avec les ficelles. Nous, on n'a pas habité ça. On ne voulait pas. Ça nous retarde du travail. Mais finalement, ceux qui ont fait ça, maintenant, là, ceux qui récoltent pour gagner 9 à 10, là, c'est ceux qui sont semés en lien avec les ficelles. Deux batteuses à moteur et une décortiqueuse pour couvrir 127 hectares répartis en 1135 parcelles. La tâche s'annonce difficile mais gérable pour peu que les activités soient bien coordonnées. On n'a pas de décortiqueuse, les batteuses. Batteuses, on vient d'accepter ça peut-être dans la semaine passée, mais c'est trop peu quoi. Décortiqueuse aussi, le maire Bakary Jacques nous a aidé avec un décortiqueuse. Donc on se débrouille avec ça, mais c'est pas suffisant quoi. À ce manque d'équipement s'ajoutent des questions de disponibilité d'air de séchage et de lieux adéquats pour le stockage. Des problèmes pour lesquels les producteurs de Windigi sollicitent des appuis pour les campagnes à venir.
Et nous ouvrons la page culture de cette édition avec la décision prise par le ministère en charge de la question de renforcer les compétences des chargés et correspondants de sa cellule statistique. Ceci pour offrir des renseignements fiables aux indicateurs sectoriels. Les participants sont venus des 13 régions du pays, comme nous le précise Estelle Judith Assogba. Les conférences régionales de la décentralisation sont l'instrument privilégié de mise en place effective et de renforcement du processus de décentralisation. Débutées le 9 octobre dernier à Ouagadougou, ces conférences se sont déroulées sur l'ensemble des 13 régions du pays et se sont achevées ce 23 octobre par l'étape de Zignaré. Pendant 2 semaines, élus nationaux, élus locaux, membres des conseils régionaux, partenaires techniques et financiers et associations de la société civile ont échangé sur des questions liées au fonctionnement des collectivités territoriales. Il s'agissait donc de mettre en application les recommandations de la CONAD qui exigeait que nous soyons au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans les 13 régions, et que ces CORED soient présidés par les gouverneurs qui sont les représentants de l'État, mais en présence de l'ensemble des acteurs. Parce que très souvent, les acteurs ne sont pas suffisamment associés et la mise en œuvre pose problème parce qu'il y a des divergences. Mais à partir du moment où, par région et par spécificité, les besoins ont été exprimés, les préoccupations ont été évoquées et que de nouvelles recommandations ont été faites, je pense que la prochaine CONAD qui aura lieu en 2013, nous aurons de la matière. Ces assises régionales ont aussi permis aux participants de s'apesantir sur des sujets relatifs aux thèmes spécifiques à chaque région. À Zignaré, dans le plateau central, il a été question de la mise en œuvre de la décentralisation. Les participants ont ressorti les difficultés qui entravent ce processus dans la région et ont aussi fait des recommandations. Nous avons souhaité qu'on puisse toujours nous accompagner dans le développement des communications entre collectivités afin que vraiment nous puissions assurer quand même un certain développement. Dans la collecte, il y a eu quand même comme peut-être un oubli ou bien un certain manque. On n'a pas pris en compte, par exemple, la sécurité. Le ministre délégué chargé des collectivités territoriales a rassuré les participants que ses conclusions et ses recommandations seront examinées et soutenues avec une attention requise par le gouvernement. Vous l'aurez rectifié, vous venez de suivre donc un reportage de Estelle Judith Assogba sur un sujet concernant les conférences régionales sur la décentralisation. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur l'atelier du ministère de la Culture. Et nous continuons en culture à quelques 48 heures de l'ouverture du salon officiel du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. L'heure est à la mobilisation du côté des artisans. L'événement tant attendu revêt un caractère particulier cette année dans le sud-ouest. Draman Dadian nous explique pourquoi cette 13e édition, les artisans de la région se rendent à Ouagadougou en rang dispersé. Des objets d'art de Gawa en route pour le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siaou 2012. Paniers, chaussures en cuir, carquois, masques lobby sont entre autres produits que les artisans de Gawa comptent exposer à cette 13e édition du Siaou. Le Siaou, un espace de promotion de l'artisanat burkinabé et africain, mais aussi un cadre de rencontre entre artisans et acheteurs. Je suis prêt pour cette édition du Siaou que j'attendais beaucoup. Grâce au Siaou, j'ai même été en Europe. Pour la présente édition de la Biennale de l'artisanat africain, l'engouement semble ne pas être au rendez-vous dans la région du Sud-Ouest. Franchement, c'est regrettable, parce qu'on n'est pas directement concerné par le Siaou, à mon avis, du moment qu'on n'a pas pris part à aucune organisation. Et on n'a ni une information claire qui définit comment nous, les artistes du Pony, on va donc participer au Siaou. Problèmes organisationnels et financiers sont des difficultés également évoquées. Les éditions passées, par exemple, on nous a affecté des stands. Ça veut dire que chaque région était représentée. Mais cette année, vraiment, on ne nous a pas impliqués. Il y a des artisans talentueux ici. Mais les moyens font défaut pour se rendre à cette édition du Siaou.
car le soutien dont ils bénéficiaient de par le passé n'existe plus. Poterie, vannerie, sculpture, confection de tenues traditionnelles, voilà des activités auxquelles les populations du Sud-Ouest sont culturellement attachées. Et pour les artisans locaux, le souhait est d'exposer leurs produits au Siaou, une opportunité de déboucher sur les marchés nationaux et internationaux. Et bien entendu, vous pourrez vivre les moments forts de cette rencontre de l'artisanat de Ouagadougou sur les antennes de la RTB. L'occasion de vous remercier pour votre fidélité au programme de la RTB. Très bon après-midi à tous.